On se retrouve avec une nouvelle fois une activité mathématique sur les partages. Pour commencer, tu vas écrire ton prénom ici, la date à cet endroit ou ici si tu n'as pas assez de place. Première activité, on nous demande de donner autant de pièces d'or à chaque pirate. Il y a deux pirates qui veulent ces pièces d'or. Il faut les partager. Il faut que chaque pirate ait le même nombre. Nous allons d'abord compter les pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 pièces que je dois partager entre ces deux pirates. C'est parti pour le partage. Alors, première pièce ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça y est, j'ai fini de partager mes 8 pièces. Je vais compter dans le premier sac. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 pièces. Dans le deuxième sac, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 pièces. Donc je vais additionner 4 plus 4. Donc j'ai 4 pièces. Je vais encore ajouter 4 pièces. Vous pouvez le faire avec vos doigts. Et c'est égal à 8. C'est bon, je retrouve mon 8. Alors, deuxième activité. Il faut faire la même chose, il faut partager ces pièces entre ces deux pirates. Donc là, vous avez les sacs de chaque pirate. On va compter les pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 pièces. 12. Alors, je vais commencer à partager. Première pièce. 1. 2. Je vais vous laisser continuer. Voilà, j'ai terminé mon partage. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans ce sac, j'ai 6 pièces. Dans celui-ci maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai aussi 6 pièces. Je vais les additionner, je vais ajouter 6 et encore 6. Je vais écrire plus. Six plus six, ça nous fait en tout, c'est égal à 12. Donc j'ai bien partagé entre ces deux sacs. C'est à vous maintenant, les enfants. Bon courage!